Bonsoir et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour la suite de cette compétition nationale de culture générale. L'émission s'appelle Gêné en herbe. Ce soir, j'accueille sur ce plateau les filles de la maison d'éducation Maria Maba qui vont faire face aux élèves des cours Sainte-Marie de Anne et c'est pour désigner le troisième de l'édition 2014 de Gêné en herbe. À la tête de l'équipe du cours Sainte-Marie de Anne, il y a Mathieu. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Mathias Chilpepan, élève en première au cours Sainte-Marie de Anne. Alassane. Bonsoir, je m'appelle Alassane Diop, élève au cours Sainte-Marie de Anne en classe de première. Oulimata. Bonsoir, je m'appelle Oulimata Gué, je suis élève au cours Sainte-Marie de Anne en classe de première. Atoul. Bonsoir, je m'appelle Abdelaziz Malik Diop, élève en première au cours Sainte-Marie de Anne. Fatou est capitaine de l'équipe de Maria Maba, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Nefat Baka Diop, je suis en seconde S à la maison d'éducation Maria Maba. Awalo. Bonsoir, je m'appelle Aoudjanglou, élève en classe de terminale L à la maison d'éducation Maria Maba. Safiette Tou. Bonsoir, je m'appelle Safiette Tou, élève en classe de première S à la maison d'éducation Maria Maba. Et Abika. Bonsoir, je m'appelle Abika, je suis élève en classe de seconde L à la maison d'éducation Maria Maba. Bienvenue à tous et bonne chance. Nous commençons ce match par les questions collectives. Il s'agit de 5 questions valant chacune 10 points, s'adressant à tous sans consultation avec droit de réplique. Top, c'est parti. En avril 2014, qui devient le premier ministre du Mali? Abika. Premier ministre du Mali. Réplique. Comment s'appelle le premier ministre du Mali, l'actuel? Son nom, c'est Moussa Mara. À qui a-t-il succédé? Personne ne bouge. Son prédécesseur s'appelait Oumar Tatam Li. Quelle civilisation précolombienne a édifié les temples de Koba au Yucatan et de Copan? Ah, voilà. Aztèque. Réplique. Alassane. Les Mayas. Bonne réponse, les Mayas. Les temples de Koba au Yucatan et de Copan au Honduras, les Mayas. Quel auteur britannique a écrit le roman Oliver Twist? Alassane. Réplique. Abika. Charles Dickens. Bonne réponse. Quelle roche constituée de silice est appelée pierre à fusil? Pierre à fusil. Quel Fatou? Le silex. Bonne réponse. Et nous passons à la section mots croisés. Il s'agit de 4 questions valant chacune 5 points s'adressant à tous. Questions collectives, sans consultation mais avec droit de réplique, nous jouons avec la lettre S. En cette lettre, inapte à la génération, à la production par défaut de Abika. Réplique, Alassane. Stérile, bonne réponse. En 5 lettres, activité physique exercée dans le sens... Mathieu? Bonne réponse. Dans le sens du jeu, de la lutte et de l'effort, le sport. En 6 lettres, qualité perçue par le sens du goût. Ah, voilà. Mathieu? La saveur. Bonne réponse. En 10 lettres, personne, autorité, personne ou autorité. Oui? Je poursuis la question pour... Il y a quelqu'un qui a sonné. C'est qui? Secrétaire. Ah, non. Fallait me laisser aller au bout de ma question. Personne ou autorité qui a signé un acte, une lettre ou un traité, un signataire. Et nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points chacune destinées aux 2 équipes à tour de rôle avec consultation et sans droit de réplique. Je commence par vous, les filles. Quel est le nom de l'accord de libre-échange signé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique? Elena. Bonne réponse de Fatou. Dans quel océan se trouve la baie d'Okinawa? India. La baie d'Okinawa, je pense que ça fait partie du Japon, non? Donc? Pacifique. Quel grand oiseau planeur des océans a donné son nom à un poème de Charles Baudelaire? Abby. L'albatros. Bonne réponse. Et je me tourne vers le cours Sainte-Marie de Anne. Quelle construction en Europe était surnommée le mur de la honte? Réponse, Mathieu? Le mur de Berlin. Bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quel cheval ailé fut monté par Bellérophon dans son duel contre la chimère? Un cheval ailé. Réponse, Mathieu? Pégase. Bonne réponse, Pégase. Qu'appelle-t-on le troisième art? Le troisième art, réponse? Mathieu? La musique. La peinture. Et nous passons
Au vis-à-vis, quatre questions spécifiques pour les joueurs debout. En vis-à-vis, le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec droit de réplique. En cas de mauvaise réponse, droit de réplique du vis-à-vis, chaque bonne réponse vaut 10 points. Fatou Mathieu, à vous deux. Quel est l'ancien nom d'Ho Chi Minh Ville? Quel est l'ancien... Fatou? Hanoï. Réplique? Saigon. Awalo Alassane, complétez cet extrait de la pièce Le Cid de Corneille. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point. Alassane? Bonne réponse. Safietou Oulimata, comment s'appelait le cheval d'Alexandre le Grand? Safietou Oulimata, le cheval d'Alexandre le Grand s'appelait Bucéphale. Vous vous souvenez de la célèbre comptine? Alexandre le Grand avait un cheval nommé Bucéphale. Bucéphale. À quel sport associez-vous les Los Angeles Lakers? Abika. Basketball. Bonne réponse. Au basketball. Abby, décidément, est imbattable sur les questions sport. Arrêt sur image, regardez vos écrans. La question suivra. Elle vaut 20 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait d'autant de points. Top, c'est parti. Question. Vous venez de voir le logo de la Biennale d'art africain contemporain. Quelle est l'appellation officielle de la Biennale d'art africain contemporain? L'appellation officielle. Awalo? La Biennale des arts et des lettres. Réplique? Dakar. Alassane? Dakar. Le Dakar. Bonne réponse. Le Dakar, et vous venez voir le logo qui est signé d'un grand artiste sénégalais, Amadou Sow. Question musique, écoutez ceci, la question suivra, elle vaut 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait d'autant de points. Question. Quel est le titre de cette chanson, Abby? Comment? Bella. Bella, bonne réponse. Le titre de cette chanson de Yoro Ndiaye, c'est bien Bella. Et c'est au son de cette chanson que nous allons marquer une pause. Avant cela, je vous rappelle les scores dans ce match de classement de cette compétition nationale de culture générale. Mariam Abba, 50 points. Le cours Sainte-Marie de Anne, 65. À tout de suite. De retour sur ce plateau avec la cantonade, mais avant cela, un petit rappel des scores dans ce match de classement pour la troisième place de cette compétition nationale de génie en herbe. Mariam Abba de Gorée, 50 points. Les cours Sainte-Marie de Anne, 65. Nous reprenons donc, je le disais, avec la cantonade, une série de 5 questions valant 10 points chacune. La première est collective. Le joueur qui y répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux suivantes. L'équipe obtient alors le droit de consultation. Nous jouons sur le thème des édifices et monuments célèbres. Quel monument américain situé à proximité d'Ellis Island est l'œuvre Abika? La Statue de la Liberté. Bonne réponse. Et l'œuvre d'Auguste Bartholdi, la Statue de la Liberté. Les quatre questions suivantes vous reviennent. Devant quel musée français se trouve une pyramide de verre? Musée du Louvre. Bonne réponse de Fatou. Le Louvre, quel édifice réalisé entièrement en marbre est situé sur l'Acropole à Athènes? Le Parthénon. Le Parthénon. C'était l'autre, le Parthénon. Tu as dit le Parthénon, ensuite le Parthé et le Parthénon. Donc, on n'accepte pas la réponse. Le Parthénon. Combien de personnages constituent le monument de la Renaissance africaine? Abika? Trois. Le père, la mère et l'enfant. Quel est le surnom de la grande cloche de 13,5 tonnes installée dans la tour de l'horloge du palais de Westminster? À Londres. Big Ben. Comment? Big Ben. Big Ben. Bonne réponse. Identification. Il faut identifier un personnage de l'histoire contemporaine avec des indices allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de l'indice entraînera un retrait d'autant de points. Question collective sans consultation, mais avec droit de réplique. À 40 points, je suis un homme d'État, né en 1917 à Brooklyn et mort au Texas à l'âge de 43 ans.
Fatou. John Fitzgerald Kennedy. 40 points. À 30 points, je reste aujourd'hui le seul président américain de confession catholique. À 20 points, 35e président des États-Unis, j'entre en fonction le 20 janvier 1961. À 10 points, souvent désigné par les initiales JFK, je suis assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, John Fitzgerald Kennedy. Et nous passons au relais. Les quatre membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Mathieu, quel animal est l'emblème de la République démocratique du Congo? Réponse. Le léopard. Et le relais s'interrompt pour les cours Sainte-Marie de Anne. Fatou, quel animal symbolise le Togo? L'épervier. Bonne réponse. L'épervier. Awalo, qui est le père de la bombe H russe? Réponse, Andrei Sakharov. Et le relais s'interrompt aussi pour la maison d'éducation Maria Maba de Gorée. Casse-tête, regardez vos écrans, il faut découvrir la personnalité qui se cache derrière cette image avec des indices allant de 40 à 10 points. Question collective, sans consultation, mais avec droit de réplique, c'est parti. Abika, réplique. À 40 points, réplique. Alassane. À 30 points. Fatou. Réplique. Réplique, j'ai dit. Réplique. À 20 points. Awalo. Namindia. Réplique. À 20 points. Abdoul. Léon Gontran Damas. À 10 points. Abika. Réplique. Oulimata. Cher Amidou Kan. Cher Amidou Kan, l'auteur de l'aventure ambiguë et des gardiens du temple. Et nous passons à la section association. Il faut associer chaque célébrité de la colonne de gauche à la pathologie dont elle a souffert dans la colonne de droite. Je commence par vous, les filles de Maria Maba. Vous avez dans la colonne de gauche 1 Aristote, 2 Roosevelt et 3 Ray Charles. Et vous avez dans la colonne de droite A, paralysie, B, cécité et C, bégaiement. Bégaiement. Abika. Roosevelt, paralysie, Aristote, Beg, Richard, cécité. 30 points. Mathieu Alessane Oulimata, Abdoula, vous jouez sur le même thème. Vous avez dans la colonne de gauche 1 Mao Tse-tung, 2 Beethoven et 3 Winston Churchill. Vous avez A, Beg, B, maladie de Parkinson et C, surdité. Concertez-vous et donnez-moi une réponse. Réponse, oui. Oui. Beg, Beethoven, surdité. Churchill, Parkinson. 10 sur 30. Beethoven, c'est bien la surdité, mais la maladie de Parkinson, c'est Mao Tse-tung et Churchill était un grand bègue, il paraît. Le cours Sainte-Marie de Anne marque 10 points sur 30. Mao Tse-tung, c'était la maladie de Parkinson. Beethoven, c'était bien la surdité, vous l'avez eu. Et Winston Churchill était bègue. Et dernière ligne droite de ce match. Il s'agit des questions éclairs. 10 questions de 5 points sans consultation avec droit de réplique de l'équipe adverse. Quel cinéaste sénégalais est membre du jury de la section Un certain regard de la 67e édition du Festival de Cannes? Quel cinéaste sénégalais, Fatou? Moussa Touré. Bonne réponse, Moussa Touré. Quel est le plus gros animal terrestre? Awolo. La baleine bleue. Terrestre. Réplique. L'éléphant Oulimata. Quel gamin est le héros d'une série de bandes dessinées créée par Zepp en 1992? Awalo. Titeuf. Bonne réponse. Quel est l'ancien nom de Saint-Pétersbourg? Patou. Stalingrad. Réplique.
Leningrad. Quel élément a pour symbole chimique le K? Le potassium. Bonne réponse, le potassium. À combien est égal le cosinus de 60? Mathieu. Comment? De quoi avez-vous peur lorsque vous souffrez de logophobie? De logophobie. Abika? De la science. Réplique? Mathieu? Du? Blanc. Non. Une personne qui souffre de logophobie a peur de s'exprimer, de parler. Quel pays d'Afrique australe a pour capitale Lusaka? Alassane. La Zambie. Bonne réponse. Comment appelle-t-on un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par intervention humaine à Wallo? Un OGM. Bonne réponse. Organisme génétiquement modifié. À la télévision, sur quel appareil le présentateur voit-il défiler ses textes? Abby? D'accord. Réplique? Un prompteur. Un prompteur. Et c'est la fin de ce match. C'est également l'heure d'accueillir le juge arbitre. Lui, il n'a pas besoin de prompteur pour vous donner le score de ce match. Mais avant cela, monsieur le juge, quelques précisions sur le silex notamment. Sur le silex, vous savez que le silex, c'est une roche très dure. Et lorsque vous tapez le silex avec un métal, il y a une étincelle qui est là. Alors donc, ça a équipé les fusils un moment pour faire un peu le dispositif de mise à feu. Donc, quand l'étincelle arrivait, la poudre qui était dans le canon prenait feu et la balle partait. Saïgon. Saïgon, la chute de Saïgon, on s'en souvient encore, 29 avril 1975, les chars soviétiques, enfin, mais qui étaient aux mains des soldats vietnamiens, entrent dans Saïgon et vous savez, il y a une image terrible de cette chute de Saïgon, c'est l'image du dernier hélicoptère de l'US Navy cette fois-ci. Parce que c'était un hélicoptère qui était sur un porte-avions, qui devait rejoindre un porte-avions de la 6e flotte, qui va donc décrocher le drapeau américain et puis donc partir. Les léopards du Congo. Les léopards, vous saviez, vous rappelez peut-être un peu, vous étiez peut-être très jeune, mais Mobutu, il avait toujours une toque de léopard. Et donc, c'est parce que le Congo, la République démocratique qui s'appelait Zaïre, eh bien, c'était l'équipe de football, les équipes sportives, enfin, les équipes donc de sport de ce Congo-là s'appellent les léopards. OGM. OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Alors, comment on obtient un OGM? On fait une transgenèse, c'est-à-dire qu'on prend le patrimoine génétique d'une plante, d'un animal, et on incorpore un autre gène qui, théoriquement, n'appartient pas à cette plante ou à cet animal. Et le danger, c'est lorsqu'on fait on franchit la barrière des espèces. On prend un gène d'origine animale, on l'intègre dans le patrimoine génétique d'un animal, alors que c'est un végétal au départ. Vous voyez que c'est bien compliqué et ça pose le problème de la barrière des espèces, certes, mais aussi de la barrière éthique. Alors, qui monte sur la troisième marche du podium de cette édition 2014 de Génie en Air? Comme on dit, le match de classement, c'est ce qu'on appelle la petite finale. Hein, la petite finale, c'est une grande victoire de Maria Maba, donc, qui remporte ce match, qui donc s'empare de la médaille de bronze, on va dire ça. En tout cas, qui occupe la troisième place, 190. Les maristes qui n'ont pas démérité ont marqué seulement 100 points sur un match où aussi je suis convaincu qu'ils ont joué un tout petit peu en deçà de leur vraie valeur. En tout cas, bravo à la Maison d'éducation Maria Maba. Troisième de cette compétition nationale de culture générale Génie en Herbe. Bravo au cours Sainte-Marie de Anne qui reviennent de très loin. Vous vous classez quatrième sur plus de 20 équipes. Et vous avez été repêché donc lors des matchs préliminaires, donc vous revenez de très loin, vous n'avez pas démérité. Merci à vous de nous avoir suivis du Sénégal et de partout ailleurs dans le monde. Vous pouvez revoir ce match sur YouTube et venir nous en parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Twitter. À très bientôt sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent.